Cette nouvelle génération, il donne une image pétillante à l'accordéon, c'est monsieur Sébastien Farge. Vous avez remarqué, j'étais un petit peu hésitant aussi tout à l'heure parce que j'étais concentré sur la prestation très rapide. C'est une belle introduction de cette émission de Sébastien. J'en ai même oublié l'un des animateurs importants de ce rendez-vous aujourd'hui à Neugent en Haute-Marne. C'est Yann Philippe, on l'écoutera bien sûr tout à l'heure. Sébastien vient de la Corrèze. Comment ça va Sébastien? Tout va bien. Comment tu expliques cette absence devant nos caméras pratiquement pendant 3 années? Je ne sais pas. C'est l'occupation. Peut-être, non, je ne sais pas, mais très heureux d'être de retour parmi vous et de pouvoir passer une agréable journée avec vous. Merci. Sébastien vit un petit peu à contre-temps de tous les jeunes de cette nouvelle génération. Oui, ben, j'ai voulu essayer par ce dernier album Double Scotch de faire voir un peu que l'accordéon, il y a la danse qu'on retrouve tous les week-ends et qui est fantastique, mais il y a aussi le jazz, faire voir que ben, l'accordéon, ça peut être le classique, le contemporain, le jazz, la musique folklorique. Il faut faire voir l'accordéon dans sa plus grande noblesse, c'est-à-dire toutes les facettes que l'accordéon peut avoir. Alors justement, on va entendre tout de suite un extrait de ce morceau Double Scotch, un morceau signé de la plume de Sébastien Farge, c'est New Tango, écoutez. Les autres facettes de Sébastien Farge, c'est la passion, peut-être inspirée par Richard Galliano, la passion du jazz. Oh, je pense, oui. C'est vrai qu'on a de grands maîtres dans l'accordéon, qui sont Richard Galliano, Marcel Azola, et j'en oublie d'autres, qui défendent ce côté de l'instrument, je pense, qui est fantastique et qui demande à être exploré.